Décidément, ils sont déterminés à regarder dans la même direction pour l'intérêt supérieur de la nation. Le président du mouvement de libération du Congo, MLC, et celui d'Ensemble pour la République sont venus rencontrer ce samedi dans la soirée les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence du président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Le président, bonjour, ça va bien? Ouais. Bonjour. Ça va, mon frère? Ça va, bien. Un message, je vous prie. Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi Tshapwe ont échangé longuement avec les chefs de l'État pendant plus de 3 heures en toute convivialité. Si rien n'a filtré de cette triumvirale, on croit savoir que le président de la République et ses invités n'ont pas manqué d'évoquer les grandes questions politiques de l'heure, notamment la reconfiguration du paysage politique. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi étaient parmi les premières personnalités politiques à soutenir les consultations présidentielles par leur participation. Ils étaient aussi les tout premiers à s'exprimer publiquement en faveur de l'Union sacrée pour la nation après les discours historiques des ruptures du 14 décembre dernier devant le Congrès. Leur appartenance à l'Union sacrée ne fait l'ombre d'aucun doute et il reste à savoir quel rôle chacun de ces leaders va devoir jouer dans les nouveaux paysages. Venus de leurs fiefs respectifs de l'Équateur et du Katanga, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi totalisent à eux seuls près d'une centaine de députés nationaux, tout aussi déterminés à jouer un rôle non moins important dans la réqualification de la majorité parlementaire. Les jours qui suivent nous édifieront.